Oh, noble érudit, nous venons quérir votre aide. Nous avons un problème. Ça dépend. Est-ce que c'est Turing calculable ? Un virus a attaqué la rêve. Son créateur dit s'appeler A. On n'arrive pas à le localiser. Ah, virus. Je crois que je vois de quoi vous voulez parler. À mon avis, il doit s'agir d'un virus parallèle. En fait, il est basé sur la coopération entre plusieurs threads. Les threads, vous voyez, les threads, vous savez, des processus avec les sémaphores, la façon de s'auto-verrouiller. Et donc, ce type de virus, qui sont des virus à threads paresseuses, nécessite d'être pris en compte de disposer de la théorie du lambda-calcul multivarié qu'on a lors de calcul, vous vous souvenez, comme on l'a vu en cours. Donc, ce lambda-calcul multivarié nous permettra effectivement de pouvoir attaquer le virus sur plusieurs angles. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, je crois que c'est justement ce qu'il faut pour pouvoir anéantir ce virus. Tenez, prenez ça. Je ne te garantis pas de pouvoir détruire le virus avec ça. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que tu pourras en localiser la source. Merci infiniment. Pour aller à Spelec, il fait froid. C'est pourquoi Lingzip te propose un tunnel entre la RES et l'école. Il a voté Lingzip, il a tout compris. Voilà, donc finalement, on est allé voir le maître, on nous a filé une clé, ça va résoudre tous nos problèmes. Je crois qu'elle est tombée dans la neige, en fait. Bazinga! Ouais, c'est moi. Ouais, j'ai un signal. Bâtiment E, premier étage. Ouais. Grâce à Lingzip, je communique avec le monde entier. Allô. Je vais dans une Serenox. Como esta dans la casa? Ni shu rem piaoliang. Depuis, je donne des cours. Alors, lesson one, the French kiss. Ah, je vois. Il n'y avait que Serenox pour faire un virus aussi puissant. Ouais. Non, attends, c'est pas là. Non, c'était un signal parasite. C'est plutôt bâtiment C, premier étage. Ah ok. Bah c'est bon, tu peux continuer sur Yanox. And suit up!
Chez moi, il faut que je te parle d'une grave décision. J'ai prise. C'est à propos de Stéphane ? Non, ce n'est pas à propos de Stéphane. C'est Brandon alors ? Non, ce n'est pas non plus Brandon. C'est à propos de ce qu'on parle l'autre soir. Tu sais, mon projet. Tu l'as quand même pas fait ? Si, je l'ai fait. Et je m'en félicite. Grâce à moi, maintenant, plus rien ne nous retient, Metz. Mais c'est très dangereux, t'as pas pensé à Étienne ? Qu'est-ce qu'il va penser ? Ne t'inquiète pas pour ça. Étienne était bien trop occupé à jouer au Call of, il ne le fera pas l'an prochain. C'était vous ? Non, laisse-moi, ça, c'est moi. Je suis seul responsable. Tu parlais, t'as foutu dans la reste ! Mais t'as failli rester ! Mais maintenant, c'est plus fort que tout, je... Désolé, non. C'est toujours bâtiment C, mais deuxième étage. Vous n'aurez jamais les 3 000 euros!